Ok, on est parti. Ouais, le son de la musique, ça devrait le faire. On va commencer par une petite récolte de diamants, de trésors. Pour dire d'attendre que tout le monde arrive, on va dire. Comme d'hab. Et salut Solgud. Je dois passer bon. Par là. Ça peut aller, on va dire. Moins pire que d'habitude. Quoi, cerise? Ce drift. Peut-être un peu augmenter le son de la musique quand même. Parce que par rapport au crissement de pneus et compagnie. Par contre, je suis quand même assez étonné d'au final ne pas avoir une seule vidéo qui soit encore bloquée en France au niveau des rediffs. La troisième rediff, elle sera, étant donné que pour l'instant elle est en privé, le temps que je la refasse et tout. Elle sera bloquée dans pas mal de pays, genre en Serbie et compagnie, et pas en France. C'est assez impressionnant. Le passage du coup, rapport au droit d'auteur, tout ça, les rediffs sont pas disponibles sur mobile. Hein. Profite maintenant pendant que j'y pense pour dire pendant le live. Ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui contrôle. Pour parler à ça, il faudrait que je mette pas de musique, mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quand même un peu mieux sans musique. Et ceux qui sont pas d'accord, eh ben j'en ai rien à foutre. Moi, ça me va très bien. Moi, ça me va parfaitement. Je suis à quel niveau du truc? Ouais, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir le diamant sur le côté. Oui, pour l'instant, tu es seul sur le chat. De ce que j'en sais. On est censé avoir 3 viewers pour l'instant sur le live. Donc, toi, moi, et un troisième, inconnu au bataillon. Un timide. Waouh! Olé! Je suis quand même impressionné que, en même temps, ma playlist à moi, avec des musiques, mais complètement piochées de partout, avec normalement des droits d'auteur partout, super évident et tout, j'ai encore ma vidéo qui n'a pas été bloquée en France. Mais l'intro de Borderlands est bloquée en France. Pardon pour les noms. Et j'ai eu une vidéo sur Need for Speed Underground qui était bloquée en France. Parce qu'il y avait deux musiques ensemble et que ça plaisait pas au mec après, je crois, tout comme ça. Regardez où notre truc, on est au-dessus. Ah putain, mais... Je suis à 127 000, il me faut 6
6 fois plus, bah, un peu moins de 6 fois plus, pour avoir ma, ma Evo 8. Bah putain, on n'a pas fini quand même. Aussi vraiment que je vois pour ma tête chat qui s'affiche en live. J'ai juste demandé à Zer qui sera très heureux de me le dire, mais je pense que je viens de Belgique, donc du moment que j'ai accès aux vidéos de mes YouTube préférés, mes youtubeurs préférés, bah ça me va. La Belgique aussi, pareil, assez étonnamment. Bon, Allemagne c'est normal, c'est le centre européen de je sais pas trop quoi, de droit d'auteur machin, tu vois, il y a des frises. Donc c'est normal. Mais que le truc soit bloqué en Serbie et tout, mais pas en France. Ouais. Moi ça m'arrange, mais je sais pas, il y a un truc qui bloque dans ma tête. C'est... What? C'est que c'est con quoi, c'est pas dans option que tu passes le jeu en français quoi. Faut quand même être con quoi. Non, c'était pas Draco, c'était un nouveau. Ouais, c'est la première fois que je le voyais, je crois. Use dernier game ce bordel. Quoique la partie est j'ai pas trop exploré, j'ai plutôt survolé. J'ai bonne chance que ce soit là-bas. Ah ah! Super radar détecteur de diamant m'indique une direction. J'ai bloqué un skill. Salut Titoon. Oh bah Evolve, y'a tout le monde qui débarque d'un coup là où c'est la fête. Explorer skill mode, increase cash-in, from treasure and buy 5%. C'est tout. C'est de l'arnaque. Je l'ai pas fait celle-là encore. Moche. Ah, il y a un début d'idée. Ça c'est moche. Ça n'existe pas ça, monsieur. Ça ne se fait pas. Oh, c'était pas mal ça. Oh bah c'est toujours les mêmes, c'est sûr.
Putain, qu'est-ce que ça me redonne envie de jouer à Most Wanted ce passage quand même. À force, je vais le faire. Je vais vous filmer du Most Wanted comme ça, gratos, alors que j'aurais pas fini Underground. Ça, je le sauve comme une baraque. Me connaissant, ça m'étonnerait pas du tout, quoi. Les ennemis trafic manette dans cette course, dis donc. Putain, on est qu'à 70% de la course. Wesh! Ça se finit quand? C'était juste ça. C'était beaucoup trop juste même. Ah, et ça c'est un raccourci raté. Et qui aurait été peut-être bienvenu d'ailleurs, vu comme les autres se rapprochent. Et première course, premier, allez! Mon côté Jacques, tu vois tes abonnés qui n'arrêtent pas d'actualiser la page pour voir si tu veux une vidéo. Ah, c'est pas faux, d'un autre côté, il y a aussi Facebook et Twitter. Alors, voyons voir, parce que bon, j'ai vraiment bien quand même sexué ma carte. Ça valait vachement le coup. C'est à partir de quel level qu'on peut voir les améliorations des étoiles? What? Je n'en sais absolument rien. Ah, monsieur, Forza 4, attention. Oh le mec, il a pas Facebook et Twitter, je demande un pouls général. Bouh. Gros teubé. Ah non, on connaît pas sur ça. On aura peut-être un petit peu de nouveauté quand même. Bon d'accord. Puisque tu insistes. Putain, il y a un début de quelque chose quand même là. Il y a une tentative de. Ouais, ça faut aimer quoi. Donc c'est moins pire que ce qu'on a déjà pu voir. Non, j'ai pas que du 1 étoile, mais je les ai débloqués, les 2 étoiles, je les ai gagnées. Peut-être que je pense à réparer ma caisse parce que j'ai fait quelques tonneaux là tout à l'heure. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de voir ce que ça donne les réparations. Je suis trop bon pour le trafic magnète. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Comment? Ça sort d'où? Ok. Quoi? The fuck? Non. One more là, je dis pas non.
rattrape, je rattrape. Hey, je suis à 230 km/h quand même. Avant j'étais à 220. J'ai bien fait de mettre les petites pièces que j'avais débloquées quand même. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est bien miramisé ou quoi? Oh merde. Quoi? C'était pas le premier le mec que je suis vu? Ah merde, j'étais persuadé que si. Ah bon? Si ça veut. 5 000 de cash en plus, c'est toujours ça. Ah non, ça va au niveau d'invulnérabilité. Niveau pièce, ça j'ai 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile. Les meilleures musiques avec Forza 4, c'est le drum and bass. Ouais, c'est vrai, oui. Style DNB, j'avais pas compris ce moment, mais ouais, drum and bass. Effectivement. Si tu veux. Après, moi, quand je joue à Forza 3, je crois que je mettais pas de musique. Personnellement. Et t'as Forza 5. Ouais, je pense à passer un Micromania pour réserver et tout. Bon. Je balance pas mon boost de suite, je vous le dis direct. Mais c'est tout qui... Ça fait même coup pour l'autre. Ils ont des voitures que je vois pas ou quoi? Non mais ça va aller. Mais c'est quoi ce délire? Oh! De toute façon, le trafic de magnétite n'a aucun effet sur moi. Trop de skills. Beaucoup trop de skills. Et c'est une victoire écrasante de Jack Tarsonius. Ouais, 10 000 de cash, ça fait plaisir.
Et encore une dernière sur celle-là, et puis après on change. Eh, Pendulum, bien vu. Plutôt que What the Fuck, je dirais que c'est un jeu multijoueur, online. Donc forcément, il y a des fois, il peut se passer des trucs étranges. Suivant les connexions des gens. What the fuck is that? C'est quoi cette musique là-haut? Ah ben voilà! Là on y est là! Là on t'a la tête du Need for Speed là! J'ai trop envie que ta musique qui est sans scout, t'as toutes les bagnoles qui se mettent sur suspension hydraulique. Ça c'est tellement ça quoi! Un peu comme le Dubstep Gun! Oh, ça serait un truc à faire ça, tu mets un mode pour The Step Gun, tu mets cette musique. Dans sa 3-4 et tout. Oh la vache. Ah, raté. Mon boost, enculé! Putain, je te bourrine! Rien à foutre, là! J'ai un fou! Tiens! Retourne au karting, connard! Allez, on va se passer, les petites filles! Passer par-dessus pour dire d'être tranquille, pour pouvoir prendre de la vitesse. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe un mec. Laissez passer. Comment je les remonte tous? Yora is my... Tiens! C'était beau ça! Bah tiens, ça aurait été étonnant! Tiens, moi aussi je sais le faire. Trafic magnète, c'est quand même assez dégueulasse. Parce que autant ça peut très bien marcher et puis c'est quand même assez dégueu quoi. T'as réussi à faire une bonne course et puis au final tu te retrouves derrière. Et autant ça peut être aussi dégueu parce que ça peut ne pas marcher du tout quoi. Les scoops avec Daft Punk, ouais, ça dépend, c'est pas du tout le même genre. Ah, mais là, elle était trop mal passée la bagnole. Je... Trafic cop, une crasse de coupe dans son. Trafic magnète. Ah, cool. Pas cool, j'utiliserai jamais ce truc. Ouais, la bagnole était trop mal passée, c'était impossible de l'esquiver correctement à la vitesse à laquelle j'allais et tout.
J'avais le meilleur temps d'essayer de rentrer dedans en espérant que ça passe, quoi. Ouais, si tu veux.
plutôt bien placé. Ça rien gaspiller un nitro. Ouh, il n'y a pas de budget. Plein qui a des petits billets mauves, tu as été cru dans les Sims ou quoi? Non, mais chacun ses passions et vols, hein. Il y en a qui font des choses intéressantes, il y en a qui tuent des bagnoles en casse eux, quoi. C'est... Voilà. Je suis sûr que c'était une Lada, un truc comme ça. Ça me saoule cette course. C'est de la merde. J'annonce, c'est de la merde. On va tester. Toi, tu as tout mis dans l'accélération, quoi. Moi, je dis ça, j'ai tout mis dans la vitesse maxi quasiment. Après, il y a moyen qu'au moment où je dépense un boost, je puisse utiliser correctement, s'il vous plaît. Non, parce que sérieux, quoi, c'est... Voilà, hein. C'est pas des mecs qui défilent, hein. C'est pas des bonbons. Putain! Sans déconner! Mais c'est quoi ces bourrinos de merde? Ah merde, il y a un raccourci. Et puis pour ce temps-là, je regardais mes poches. Parce que c'est pas pratique du tout ce système de pour compenser les boosts. Ah, vivement que j'ai une manette de PS2, comme ça je pourrais utiliser pour le jeu. Avec un petit. Comme ça, voilà, on va un peu claque.
meurs. Tu mets tout en blanc. Ouais, ça souligne un peu le cours de la bagnole. Avec du noir quand même. Non, j'hésite. C'est le beat qui se go dans ses références. Non, t'es pas le seul, il est balle. Et Wolf, je te hais. Enfin, remarque sur Arcade, je sais pas. Bon, votre avis, c'est de ce bout-là en noir ou en blanc? Je pense que ça en met en noir parce que sinon blanc, ça fait tout blanc. Ou bien, je mets tout en blanc et je mets exactement le même en dessous, légèrement décalé en noir, pour souligner les courbes. Ouais, c'est la blanc, ça fait tout blanc, ouais, c'est ce que je pensais. Tu me mets de l'autre côté, s'il te plaît. Mirror on. Voilà. Ah bien. Comment on fait pour payer? Je me dis que je fais finish customiser Pixel. Peut-être aussi un petit truc pour souligner un peu le capot. Dans un hostile. Oula, c'est quoi ce truc là? Ouais, non, Vandal. Non, Liner. Non, Chicken. Essayons voir avec le dradra. Ah merde, c'est pas juste la moitié de dradra. D'accord, non, undo. Ok, ça c'est bon celui-là. Ah, parce qu'il y avait juste la moitié, j'aurais bien voulu mettre le dragon là, comme ça sur le côté. Mais il n'y a pas qu'une moitié de dradra. Ok. Ok. Spécial. On s'en fout. Donc j'ai que ça qui tient la route en fait. Ça c'est... Ah, faut payer des speed boosts pour débloquer des vinyles. Et puis pas qu'un peu, hein. Parce que si je dis pas de bêtises, 1500 c'était 5 euros. Ça veut dire que c'était 1,50€ le pack de vinyle. T'as intérêt à choisir le bon pack, hein. Putain. En plus c'est moche, quoi. Un peu abusé quoi quand même. Ça fait un peu trop chargé pour mettre sur un capot quand même, parce que le capot est complètement plat en plus. Puis les capots qui sont disponibles sont pas top.
ou on peut peut-être essayer de mettre genre ça. Déjà tu mets des vraies couleurs qu'on puisse voir quelque chose à ce qui se passe, bordel. Voilà, genre comme ça c'est pas mal. Et tu me l'écrases et étire comme ça. Et oula, 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 oula. Oula, oula. Attends. Pousse. Merci. Vas-y, mode move. Et genre quelque part par là. Ou plus sur l'avant peut-être. Non, non, pas sur l'avant, ou bien faudrait que je le... Non, non. Je dirais qu'il y a un début de quelque chose, mais au final non, quoi. Inverser les couleurs? Non, peut-être pas, ça ferait trop noir. Et ça se ferait pas trop avec le rouge. Le rouge et le noir, comme ça, ça irait pas très bien ensemble, je pense. Après, on peut faire le test vite fait, hein. C'est vrai que c'est pas pour ce que ça coûte. Ouais, tu vois, je trouve que ça fait trop noir. Bon. Pour voir ce que ça donne, si je le fous en plein milieu et que je l'étire. On est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ça rend pas mal en fait. Bon, je trouve que ça fait peut-être un peu chargé, mais je trouve que c'est pas dégueulasse non plus. Ah, voir, elle est composée. Ah, bah, j'avais pas vu, désolé. Je suis un peu processus créatif, j'ai tendance à rater des trois trucs. Ah, bah, d'accord. Pour ça. Ouais, bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Pour. Et je me demande... Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est chiant, je suis obligé d'attendre que ça chasse. J'ai quoi dans mon inventaire déjà? Bon, d'accord. Des néons. Je suis mitigé là quand même. Je sais pas trop là quand même les vitres, enfin les vitres, là, les néons bleus, je me dis que c'est pas trop mal, mais qu'en même temps c'est peut-être un peu too much. Non, j'ai que celui-là pour l'instant de néon. Ouais, trop chargé, ouais. C'est quoi cette musique de merde? Pas de merde. Je sais pas encore exactement, vu que je sais pas exactement ce que c'est. C'est quoi ce truc? Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai téléchargé, ça. Mais c'est la musique de Général Bison! Je dis oui à la pique d'arsenic! Ça change strictement rien, ça. Ça va en violet? Oh! Ça, c'est ce que j'ai déjà. Putain, j'en ai combien des trucs comme ça? Ok.
Paint Job, je voulais voir s'il y a pas mal de faire quelque chose avec l'aileron en mettant genre en avant. Ça souligne peut-être un peu plus aussi la ligne de la bagnole, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu'on puisse pas avoir une vraie vue d'ensemble là. Mais là, c'est cool, on change de musique. C'était pas vraiment black tout à l'heure, ce que c'était. Mais spoiler noir, moi je suis plutôt pour. Oh, allez, va pour les ailerons noirs. Les jantes, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec les jantes En rouge, ça fait trop rouge, ouais. Et en noir. Autant garder les jantes de base si c'est pour les balancements noirs après, je crois. Quoique, essayons. Dans le doute du doute. Ouais, ça fait peut-être un peu trop. Couleur or, mais t'as raison, quoi. Ah non. Essayons dans le doute. C'est moche, c'est extrêmement moche, ça, monsieur. Non, ils sont normal. Putain, j'ai pas vu ma couleur d'aileron, tiens. Attends, on va... Undo un peu, là. Mais repasse en blanc s'il te plaît. Voilà, parce que sinon il me le faisait compter la couleur là. Ah bien. Non, je pense vraiment que les jantes en noir ça ferait trop. Non, allez, voilà. C'est bien comme ça. Voilà, ça change un peu la caisse quand même. Même si un kit carrosserie ça serait pas mal quoi, mais bon. On verra plus tard. Hein. De toute façon, il y a forcément un moment où je vais devoir acheter un passement supplémentaire de bagnole en garage si je continue à jouer jusque là. Et à ce moment-là, je pense que le reste du pognon que j'aurai, je le verrai pour mettre un kit carrosserie, une gomme sympathique sur la caisse. Parce que c'est clair que ça manque quoi. Couleur du monde, t'as raison. Non mais ça va pas la tête. Ouais, ça manque vraiment d'un kit de carrosserie toujours, mais bon, ça change un peu. Ah, jamais fait celle-là, je crois. Le seul truc que j'attends des prochains forces.
j'attends vraiment un spécial du 5, j'attends juste d'avoir un 3 mais en beaucoup mieux. Plus d'options, plus de caisses, plus de courses. Ils sont costauds les parkmètres, la vache, comme ils m'ont arrêté. Et c'est des parkmètres de compète, hein, mon gars. Anti-vol et tout. C'est pas des parkmètres, ils étaient en béton armé, quoi. Rien à foutre, quoi. Parkmètres terroristes. C'est des parkmètres sous-motoriques, quoi. Ça se trouve, ils faisaient même peur au Black. Si ça se trouve, hein. Juste pour dire d'asseoir ma avance. Ils utilisent peut-être un peu trop le boost en ce moment quand même. Sauf pour l'instant la course on demande pas vraiment. Dire ça va, je suis pas derrière, je bataille pas. C'est peut-être quand même mieux que je le garde pour le moment où j'arrive à m'ouvrir un coin. Bah, il y a poubelle, mon dieu quoi! Les mecs, ils avaient balancé du plomb dedans quoi! Putain! Là, je peux balancer du boss! Tu parles d'un aimant? Fake. Ouais, de toute façon, je suis là. Bagnole a volé quoi. Le parkmètre, il faisait même pas un choc touriste. Exactement. C'était le dieu parkmètre. Le boss final du donjon parkmètre. Waouh, skill mode. Une phase de power émergentielle. Ouais, 5% c'est quasiment rien. C'est un vrai mode drift avec plein de courses de montagne, ce serait le rêve parce que dans le 4, il y a quel full chimique et tout. Bah dans le 3 il y avait déjà quasiment que ça. Hein. Bah sur le 2 il y avait quasiment rien au final, il y avait que des courses normales et on se mettait déjà quand même comme des oufs. Si, voilà ce que j'attends pour le 5. Des vrais effets de fumée. Avec une vraie fumée que t'y crois. S'il vous plaît, messieurs de cette tartane. De la vraie fumée. La poubelle en titane. Et puis le dis pas, il y a ces barrels. Moi j'y mets poubelle. Non, comment on dit en anglais? Trash can. Avec la musique qui va bien. Bon, je commence à avoir soif, mais en français, c'est de la merde. Je veux dire, voilà, même Need for Speed World a des effets de fumée plus convaincants que Forza Horizon et le 4, quoi. Défoncé le cul. C'est vrai que dans le 2 c'était comme génial quoi, au niveau de la fumée, vraiment. Quand tu faisais des sessions de drift, t'avais le jeu qui parfois même commençait à ramouiller quoi. Quand ta session était pleine. Et que quand t'étais derrière et bien rapproché, mais tu voyais plus rien. Je dis plus rien, c'est plus rien. Tu regardais la mini-map quoi, pour savoir où t'étais. C'est juste énorme.
Mon problème. Non, c'est bon, ça passe. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Faut pas que je rate l'entrée. Merde, il me rattrape. Vive le Reddy. Ils ne peuvent rien contre ma toute puissance. Cette puissance. Cette puissance. Ah, j'ai soif. Il fait ça à force de dire de la merde pour tout le monde est barré. Très bien. Ils ont eu trop honte d'être humiliés ainsi par ma toute puissance. Ça fait du bien quand même. Du métal, j'ai quasiment pas ça, moi. Et de toute façon, c'est une sélection perso que j'ai fait pour Need for Speed World. Avec divers musiques de jeux de bagnole, ou de films, ou d'anime même. Et qu'il y a du Initial D dedans. Alors attends, parce que j'ai raté plus que ça quand même. Je pense que tu vas voir ce que j'ai vu. Tu parles de quoi? La fumée? Bon, je peux pas vraiment renseigner sur le jeu, j'ai encore rien vu, mais de toute façon je prendrai Forza 5 avec la console directement. Faut vraiment que je gagne mon Micromania vu que j'ai entendu dire qu'il faisait un pack et tout. Mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai déjà à peine le temps d'aller chier limite. Ah, Ghost Rider. Ah mais en fait je dis des trucs que j'avais qui s'étaient déjà passés en fait moi je... Oui. Mais oui, passer la police, elle est passée dans les modes poursuite. Alors attendez parce que je viens de me péter l'ongle en fait. Pas péter l'ongle, c'est un bien grand mot. Je suis quoi de ma putain de passer l'ongle? Ça passe un roule. Comment ça s'appelle? Ah, coupon. Ou pince à roule. Ça fait pince à épiler et en même temps coupon. Putain, mais c'est quoi cette bagnole qu'il a, le mec en blanc là? C'était une éclipse, ça à la base? Faudrait peut-être leur dire d'arrêter d'arranger les caisses. Hein. Je trouve limite le kit encore plus ridicule que je crois que c'est un kit Velsailles pour les R34 qui allonge la caisse, ma truc de dingue. Faudrait que je me reprenne juste d'ailleurs. Juste pour le délire. Je sais pas ce que j'ai foutu de ce jeu d'ailleurs, normalement je l'ai pas vendu du tout. Donc je sais pas ce que j'en ai foutu. Enfin bon. En fait j'imagine toujours les débuts des youtubeurs à se faire surprendre en train de faire une vidéo et être gêné. Ah bah ça c'est systématique, oui, ça arrive forcément un moment à l'autre et au début ça fait bizarre quoi. Surtout quand ta famille sait pas que tu fais ça. Eh ben salut Solgut, c'était pas encore déjà parti. Non mais sinon ce qui était marrant avec le début de l'émergence de YouTube, c'était quand t'avais des petits gamins genre de 10 ans qui faisaient leurs vidéos en filmant leur écran de PC avec leur webcam, véridique. Et derrière t'avais la mère qui était en train de faire leur passage et tout, quoi. Il y avait des perles. Là, c'était pas vraiment début de YouTube, je crois que c'était sur Dailymotion à l'époque. Que j'avais vu ça, c'était vraiment pas mal quoi. Moi j'attends avant de prendre la One, il me faut de l'argent, c'est sûr qu'il faut de l'argent déjà. Comment mettre 10 secondes d'avance avec une 946, c'est toutes les difficultés au max. Ah ça va,
Suivant la course que t'as mis. Ah, il s'est pas mal se tiré pour faire un effet smooth. Avec les bonus force speed. Que faire? Parce que bon, la course, j'en fais pas mal là. On va faire la poursuite, tiens. On va attendre qu'il me propose une poursuite. Non, quoi qu'à drague, j'ai pas encore fait, on va essayer. Automatique. On va laisser automatique pour voir. J'ai pas les touches de manuel, alors... Et à mon avis, je vais me faire gratter parce que le niveau 47, à mon avis, c'est parfaitement quelque chose qu'il faut prendre pour ce genre de truc. Et pourquoi ils ont une espèce de petit coup de boost à chaque fois? Pas compris. Homeworld, c'est pas un espèce de jeu qui se passe dans l'espace ou de stratégie et tout. Un peu une espèce de prédécesseur d'Eve Online, du même style. Essayons manuel pour voir. J'ai trouvé les touches. Bon bah lui va nous péter, il a 4,78 en vitesse, en accélération quoi. Ouais mais ça date bien maman, je, ça datait toujours des débuts 2000, voire fin 90. Ok, je fais comment pour passer de vitesse? C'est quelle touche, monsieur? Comment je fais? Ah, c'est shift. D'accord. Attends, j'ai compris. On peut retenter. Ça serait que shift, merde. Action stratégie, un truc plus personnel aussi de 2001. D'accord. En même temps, vu l'âge du jeu, c'est assez impressionnant qu'Evelyn ait encore du monde. Mais de toute façon, Evelyn maintenant va être déserté, je pense. Il y a un jeu là que j'avais vu sur notre chaîne YouTube, comment ça s'appelle. C'est fait par le même mec qui avait fait Freelancer. Lui, il a complètement raté son truc, le dragon, il est à l'envers. Moi que ce soit son effet de style à lui. Ouais, le rebond est ouvert, je sais pas, c'est son pays. Oui, il y a un jeu type MMO qui va sortir par le mec qui a fait Freelancer. Style Evoline et tout, MMO vraiment très ouvert, machin. Et ça risque de pas mal péter le cul à Evoline, je pense. Puis il y a un autre jeu là qui est disponible sur Steam d'ailleurs, comment ça s'appelle? Je sais plus, mais tu peux vraiment approcher sur les planètes, tu vas sur la planète quoi, vraiment. Tu fais du rasmode sur la planète, machin truc et tout, alors que 30 secondes avant t'étais dans l'espace sans temps de chargement ni rien. C'est le Star Conflict, non ça doit pas être ça. Oui, voilà, il est encore prêt au bon son âge, mais ce qui m'attirait pas, c'était le côté quand même assez vieillot de l'ensemble.
Et le fait de ne pas pouvoir vraiment se balader dans le jeu, soit d'un point de vue bonhomme, que là les jeux qui vont sortir les proposent. Pareil, j'essaie de trouver ça. C'était sur Steam il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien quand même retrouver le truc. De toute façon, il fallait une pause quand même de vos cours. Alors. Oups. Oula, c'est quoi ça ce jeu là? Agarès là, il y a l'air d'avoir la meuf à poil là. Prêt pour chasse, je veux prêt pour chasse s'il vous plaît. Je lui c'est de la merde, c'est un 3-4 j'ai déjà, et au class je veux surtout pas. C'est un rhum de nain, fais des déchets du chien. T'es dorme, arrête ça là, si tu veux. Bon, il est plus disponible sur le truc machin. Alors toi tu disais quoi? Comment c'était Star Conflict? Il semble que c'était pas ça, mais merde. Ah, j'ai Starlight Inception. Ça, c'est une idée de chose. Ah, Starlight Inception, c'est le jeu où tu peux vraiment te balader à la surface des planètes et tout. Style normal. Alors, pour l'instant, graphiquement, ça a l'air un peu daté, mais bon, après, la taille du truc et le machin que ça espèce d'avoir affiché à l'écran. Si. Quoi que, je suis pas sûr que ce serait un MMO, ça. Ce sera du show, ça va. Ah non, multijoueur. Coopération locale. Un multijoueur était new. Alors, faut que je retrouve, sinon ça me perturbe. Star Citizen. Voilà. C'est ça que j'attends de voir ce que ça va vraiment donner, c'est Star Citizen. Il y a des bugs de chargement sur Forza 4. Bah bravo. Non, je décline, je veux pas de drague. Allez, quoi! Ah bah voilà, poursuite! Team Escape. Et ouais, Star Citizen, j'attends de voir ce que ça va donner. En plus, c'est entièrement payé par les... comment ça s'appelle? Enfin, non, il y a eu un Kickstarter, je crois. Ouais, Lul ou je sais quoi. Et maintenant, c'est les... les gens en instant des packs de boost et puis qui leur donnent accès à la bêta machin et tout. Des vaisseaux de base, machin. Équiper le jeu et les packs quand étant en sachet, ça finance quand même pas mal de trucs, mais à mon avis ils seraient pas prêts d'être sortis avant au moins un an quoi ce truc. Vu l'ampleur du projet. On meurt pas sortir à jamais, je pense. Bah, déjà la boîte qui a fait mourir, elle a pas coulé, je crois. Bah, plutôt que couler, elle a pas mis la clé sur la porte. Arrêtez quoi, sérieux.
Ouais, une barre d'information sur le côté pour dire dans quel niveau de quel état et son mec de l'évasion, tout ça. Oups. Allez hop, dégagez. Pas de chier. Ah, je crois que c'est planté. Un peu à cause de moi, on va dire, mais bon, c'est qui est derrière. Whoops! J'aurais dû être obligé de jouer l'autre. D'ailleurs, dégagez de là. Mais non, tu m'as pas du tout, t'as rêvé! Ah, le mec est sympa. Il a peut-être pas fait exprès, Marc. Ah merde, j'ai pas fait exprès. Bon, tant qu'à foutre, maintenant que je l'active. Je pensais que mon jeu de géante est surchargé déjà, mais non. Encore un, c'est... Ok. Tout le monde s'est fait choper, quoi. Reste plus que moi et le mec devant, quoi. Ah non, il y a Bob machin qui viendra pas derrière moi. Ouais. Allez, y a pas peu de vitesse, ça fera pas de mal. Ah, y'a tout le monde qui est sorti de prison là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes tout le monde était en prison et là y'a plus personne qui y est quoi. Non mais, hé, mais... Ça c'était du frein à main, mec. Oh, on a gagné des jantes. Non mais j'avais déjà, c'est ce que j'avais que j'ai déjà sur ma bagnole quoi. Ah ils ont foiré. Non, a été racheté par ses enfants à Ubisoft. Bah c'est foutu. Regarde, tu l'auras jamais de ton jeu si c'est Ubisoft qui s'en occupe. Ou bien il sera complètement moisi. Vous savez que l'équipe qui a fait Anno 2070... Il y avait un membre de la boîte de... Ah mais s'il y a un membre dedans... Je crois qu'on a un abus de Little Pony ici.
Je crois qu'on a un abus manifeste de My Little Pony. Ouais, sympa. Ouais, il y a des petites choses. Ouais, mais en fait, non. Non plus. Ouais! Parfait! C'était pas gentil ça. Le journal qui s'est activé juste un cran trop tard, quoi. Chier. C'était beau, ça. Oups. C'est défonce. Qu'est-ce que je vais gagner pour cette course? Je vais devoir la balancer en réparation. Pfff, le réflexe. Je tire notre motherfucker. Allez, hop là, deux pour le prix d'un. Rhino. C'était un rideau. Ouais, ça peut encore à peu près coller. Une pitié là. Ah lui il est passé, il a tout défoncé. Ok, il a fait un C-strike. Non. Non, en fait on se colle pas du tout. Déjà un peu plus dans l'ambiance, quoi. Il a rien à foutre, le mec, quoi.
contre, ils ont été plutôt gentils jusque-là, il n'y a pas eu de herse. Ça gagne pas mal quand même, hein. Bon, allez, ça suffit là pour cela. En plus, j'ai bloqué des trucs. Ouais, cool. Ah cool, ça ira, je pense, très bien sur la... sur les veaux. Faut-il encore déjà que j'achète? Ma caisse est en quel état? Oh putain. Ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Alors ça racontait pas mal de trucs quand même. Il s'est tapé les graphiques, quoi, si tu veux. Ah, un bug de chat, c'est intéressant. J'aimerais quand même bien avoir un peu de bagnole là, parce que ça fait quand même quelques heures de jeu, je me tape la même caisse. Putain, les courses de base, on va rigoler. Quand même dit qu'ils sont sans vergogne, quoi, une des méga caisses de la mort. Ah, une tentative de... d'imitation de Falcon au niveau de la peinture. C'est pas mal. Plutôt bien fait. Ah ouais, mais monsieur vient en catégorie B, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, moi que tu fasses vraiment de la merde, ça m'étonnerait que la première place soit pour moi. Tout le temps foutu raccourci. Merci monsieur. Non, ça va pas le coup du cerveau pour l'instant. De toute façon, j'étais déjà à 230. Je crois que c'est même pas le mec avec sa rectitude qui est devant. Je crois qu'il a laissé tomber en fait. Il est juste cassé.
un AP. Ah, c'est. Mais c'est plus fin sûr en fait. Oui, non, mais. Tout va bien quoi. Ah, stylé. Le mec avec son boost, il arrive pas à aller aussi vite que le mec avec sa bagnole de base, quoi. Au niveau du démarrage. Tellement dégueulasse, quand même. Bien joué, trafic magnétique. Moins bien joué le trafic magnétique. Non ah. Là on est plutôt bien. Là. Alors on est un peu moins bien là d'un coup. C'est bon, maintenant elle est bonne. Ouais. Allez. Pas le tout d'avoir une caisse en catégorie B, il faut aussi savoir manier. En plus c'est terrible. Il a fini dernier 12 secondes après moi. Ouh, une plaque incroyable. Bon, allez. On va arrêter là, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Tiens, on va arrêter vite fait quand ce sera fait. Ouais, quand même 5000 de cash fait pendant cette session. Bah, c'est à ce rythme-là, dans 3 sessions de jeu, c'est-à-dire dans genre 7-8 heures, on pourra enfin changer de voiture, c'est incroyable. C'est abusé. Ils ont un petit peu craqué quand même. Enfin bon. Mmh. Allez, à plus, on va manger les pommes, buvez du lait, portez-vous bien pour ce soir sur matest.com ainsi qu'à matest.com.fr sur matest.com, la chaîne de la communauté, la communauté à matest, où il se peut toute la communauté. On peut également faire un tour sur Facebook et mon Twitter si ça vous éclate. Et n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Salut, salut!